Salut les amis, c'est MM Simulator, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2. On va là en gros je vais présenter plusieurs camions là. Ben, plusieurs camions là. Personnalisable, donc pas de cabine, hein. On peut pas changer la cabine, on peut pas changer le châssis, on peut pas changer le moteur, on peut changer la boîte, ah c'est déjà une bonne chose. Donc on a les sous, on se plie pas. Donc l'intérieur par contre il est très très moche, hein, comme vous pouvez regarder. Alors en fait il y a des parties qui sont jolies tout ça, mais les matières sont pas... On voit que c'est du répétitif, on va dire, que c'est pas vraiment un peu différent partout. Et puis là, le sol est pas du tout joli, on dirait une photo floue. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Donc après, il y a les couleurs. On a toujours ce qui est écrit dessus, qui est dessiné dessus, c'est même pas écrit. Qui y est toujours. Donc on va prendre une petite couleur sympathique en bleu. Non, je vais plutôt prendre le custom machin. Donc voilà, on peut personnaliser la couleur. Ça on peut le personnaliser comme dans le machin, mais ça change rien qu'il soit coloré ou pas. Après on peut changer les pneus si c'est sympathique. Donc voilà, avant et arrière. Et après, ben, on peut même pas mettre de carénage, voilà. Et voilà, on n'a rien à modifier du coup. Donc, on va prendre ce camion. Parce que moi, franchement, je le trouve joli d'aspect extérieur. Après, on va voir si... Donc, parce que je veux quand même garder ma boîte. Donc, on va aller tester ce petit camion. Et voir ce qu'il vaut sur la route. Donc avec 300 chevaux, en sachant que 300 chevaux, on va se traîner vachement. Donc je vais reprendre, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc je vends mon camion. Donc voilà, hop, c'est tout. Donc on a une H plus, en gros c'est le Scania 112H, comme vous avez dû le lire, hein, c'était marqué. Qui était plutôt pas mal, hein. Donc là on va voir le nouveau camion. Oh, elle est qui brille, hein. Elle est trop mignonne. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira, parce que moi pour l'instant l'aspect extérieur me plaît beaucoup. Après par contre le fait de voir les vitres à l'intérieur, ça fait mal. Les vitres, comment on les voit en gros en passant le regard dans la vitre, comme dans une vitre, ça fait moche. On a aussi une sortie, donc on va passer ça. Voyons, est-ce que les compteurs marchent quand même? Ah non, c'est mon jeu qui fait. Ah ouais, les compteurs ils fonctionnent. Ou en tout cas la plupart. Ah oui, ok. What? Je comprends pas tout là. Expliquez-moi. Faites voir de l'extérieur ce que ça donne. Ah si. C'est bizarre. Ah, puis c'est une petite lumière en fait sur le côté là-haut. Là. Donc on va retourner. Ça doit être reflet. Donc on va essayer de trouver une petite cargaison, on va dire. Donc là en plus on a une map un peu spéciale, parce que j'ai pas gardé la map
d'origine, en gros, on va dire, comme je fais d'habitude quand je fais des présentations de mode camion, on va dire, mais j'ai changé de map. Je suis passé sur une map qui combine deux maps. J'ai une map, comme vous le voyez là, en gros, on est en Russie. On est en Russie et on est aussi avec la Traxi map. Donc, attendez, on va faire un truc. On a fait un truc. Par contre, le truc, c'est que... Moi, je veux la gestion de l'entreprise. Parce que j'ai un petit garage, mais j'ai pas... on va faire un voyage rapide. On va faire... Oui. Parce qu'en fait, en gros, je vais aller dans mon garage. Donc après cette map, je l'adore, ben, j'aime bien, ça change un peu. Là, nous sommes en Russie. J'ai déjà essayé une map en Russie, mais on va dire que la map russe que j'avais essayé, il y a des endroits où il y avait de la neige. Pas pareil. Différent, et ça veut dire la même chose, grosso modo. Pas pareil, différent, mais comment dire, en gros, j'avais un changement. Parce que Euro Truck, en gros, on n'a pas l'habitude d'avoir des changements de climat partant sur la neige. On va avoir des changements de climat avec de la pluie, des changements de climat avec de la pluie. En gros, c'est toujours avec de la pluie. Ah. Chérie, je suis rentré. Génial. On a le vent qui tourne. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va aller chercher une petite livraison. Là, nous sommes à Moscou, la capitale de la Russie, bien sûr. Donc voilà, il y a même les plaques russes sur le camion. Bien, je pense qu'elles sont russes. Hein. Donc certainement que ça va bugger parce qu'il y a pas mal de modes. Donc voilà, on est à Moscou. On va pas faire une trop petite... Je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait avec ce camion. 4 heures ça fait un petit peu. Bon, on va faire que des petits convois parce que... Ah ouais, on est quand même que dans 4 minutes. Je sais pas quoi faire là. Parce que ce camion il va être... Attendez 30 secondes. J'ai coupé la vidéo en deux. En gros, on va la faire en deux parties. Parce que la Russie, c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, trois parties et on va aller au milieu. On va prendre la plus longue. Et si je trouve que ça fait pas très long, je la fais en une seule partie. On va plutôt prendre celle-là. Parce que moi, elle rapporte pas mal. Donc on va faire tout ça en deux parties ou une partie, ça dépend du temps que... ça nous mettra et après on verra parce qu'en fait le truc c'est qu'en Russie il y a très peu de livraison à faire. C'est le seul truc qui est un petit peu dommage, mais bon dans le fond ça correspond bien avec la qualité, malgré que techniquement là il n'y a pas vraiment d'histoire d'embargo russe vu que nous sommes en Russie, donc on reste dans la Russie, donc il n'y a pas tant d'embargo russe que ça. Mais en tout cas, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de... What? Ah, je crois que... Attendez-moi. Attendez 30 secondes. Faut que je remette
le GPS, parce que je crois qu'il a dû bugger. Quand parce qu'en gros j'étais déjà à la concession avant de venir revenir ici et hop on repart. Donc faut faire un peu voilà attention parce que on a un petit camion. Par contre j'ai pas vraiment l'impression que oh merde c'est dans le Il a l'air assez fluide. Assez bien à conduire en tout cas. Bon, je vais vous dire que en Russie, ce camion, je l'aime bien. Ah si, il marche aussi les clignotants. En gros, il y a tout qui doit marcher à peu près sur ce camion. Bon, l'aspect extérieur est magnifique. L'intérieur l'est un peu moins. C'est le seul défaut, on va dire. Ah, merde. Le seul vrai défaut sur ce jeu, c'est ça. C'est l'intérieur. Les garnitures, tout ça, c'est pas très joli. Donc après, sinon, le jeu en lui-même... Ben, le jeu en lui-même est toujours magnifique. Mais... après... on verra bien. Mais pour l'instant, en gros, je vais vous dire que je l'apprécie beaucoup. Le camion et le jeu... Donc voilà, et il y a de grandes chances qu'en fait je publie. Non, bah non, pas pouvoir faire ça. Ou sinon, je vais publier une vidéo pour voir si je peux mettre certaines radios sans copyright. Et donc on verra bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce camion. Franchement, je le trouve magnifique. De toute façon, je pense qu'on va devoir faire une pause dans la partie parce que mon perso va devoir se coucher, faire une sieste. D'ailleurs, je me demande pourquoi je l'ai pas faite parce que j'ai déjà quand même à moitié fatigué. Après, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Normalement. Peut-être, je sais pas, ça dépend ce que vous allez en penser. Parce que je vais certainement faire un. On va pas dire une carrière suivie, on va dire. Mais une vie suivie. Plutôt un let's play. Sur les Sims 4. Si. Comment on dit ? Ouais, si vous êtes plutôt attiré par la vidéo que j'ai faite, il y a de grandes chances que je mette une suite. En sachant que c'est pas vraiment un personnage réaliste, au point que, en gros, je l'ai fait vraiment un peu loufoque. Très. Comme si vous savez pas comment. Si vous savez pas. De quoi je veux parler en gros, vous allez voir la vidéo et vous allez comprendre tout de suite que j'ai pas voulu faire quelqu'un qui un monsieur tout le monde et que je voulais plutôt faire quelqu'un du style qui ressemble à personne mais qui est complètement dégénéré du cerveau et tout ça. J'ai l'impression que quand même malgré ses 380 chevaux il tire bien le camion. Mais c'est vrai qu'il a un petit désavantage aussi, c'est que il est ultra peu. Oh, il y a un bug là. Ah oui, il y a un gros bug en fait. Il y a un gros big bug en fait. C'est que. Oui, en fait, je l'avais pas vu ça, mais en gros, j'ai pas de rétro droit. J'ai que deux rétro gauche. Oui, j'avais pas vu ça. Maintenant, je viens de le voir et. En gros, ça me prend un peu les chopotes. Mais bon, on va dire que on va s'y faire.
Parce que là, je vais pas essayer de trouver une solution maintenant. Hein. Donc là, je viens de m'en apercevoir. Il y a deux rétro gauche et aucun rétro droit. Le pire, c'est que le rétro droit est à gauche. Alors que je comprends pas. Si ça se peut, il faudra que je mette les deux rétro pour avoir rétro droit et rétro gauche. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que pour un 380 chevaux, il tire bien. Si 380 chevaux, ben en tout cas je sais, comme ça il tire bien, mais après ça veut rien dire hein, vu que là on n'a pas de remorque, on n'a rien du tout, c'est vraiment bien. Donc aussi dans les prochains temps on va tester des nouveaux jeux simulation, vraiment simulation. Je crois qu'il y a simulation de pompiers, simulation de travaux, simulation comment dire. Il y a pas mal de simulations qui vont arriver sur ma chaîne. Très vite d'ailleurs, incessamment si peu, d'ici quelques semaines. Peut-être que s'il y en a un qui me plaît vraiment bien, je vais le faire en let's play. Une petite carrière suivie dessus, on verra. Mais c'est vrai que cette map elle est plutôt bien faite en gros parce que dans la map classique par exemple il y a quelques bugs. Là en gros j'ai les feux éteints, là j'ai les feux de position et là j'ai les feux de croisement. On va dire que c'est plutôt pas mal, mais ça, ça reste un truc assez aléatoire. Bon, voilà, je vais publier plusieurs vidéos tests, on va dire découvertes. De jeux de simulation bien sûr et dans les prochaines semaines et j'espère que ça vous plaira parce que moi vraiment je me donne un maximum pour essayer d'avoir des jeux les meilleurs jeux que je puisse trouver en gros à mes moyens. Après, c'est vrai que c'est pas forcément le top non plus. Mais n'empêche qu'il fait bien bugger mon jeu, ce camion. Donc voilà. Normalement, dans les prochaines semaines, il devrait bien y avoir des... Putain, ils publient ça quand même en Russie, ils sont... Mais aussi, ce qu'il y a de bien sur cette map, c'est... Il y a un truc que j'adore, c'est le fait qu'on puisse l'accoupler à la TSM, à la Truck Sim. En gros, j'ai un accouplement, on va dire, entre la Truck Sim Map et la map, cette map là en Russie. Donc voilà. C'est vraiment un truc que je trouve assez sympa, même si bon là d'ailleurs d'après ce que j'ai vu quand même sur la map française qu'il y a dans la TSM, ils ont quand même pas mal amélioré avec Nantes tout ça. La TSM franchement bientôt on va voir toute la France, ça va être génial. Au départ je pensais mélanger un peu la pro mode et la TSM, mais maintenant il y a limite plus besoin de mélanger les deux, juste une suffit. Bon, la pro mode je crois qu'ils sont toujours bien dans le nord, mais ils commencent un peu à descendre d'après ce que j'ai vu, donc on va dire que on pourrait avoir une plutôt belle map même avec la Truxy map ou la TSM ou la pour mode, je vais dire du connerie en ce moment là, c'est énorme, mais
Donc voilà, par contre, je n'ai toujours pas changé de volant. Je pense que vous l'avez peut-être aperçu, ou pas trop encore, parce que là, je conduis plutôt bien. Et donc, cette semaine, je vais vous présenter donc une vidéo. Donc, cette vidéo. La semaine prochaine, je vous présente la suite. En gros, on va livrer le colis, le fret, à part si vraiment je vais assez vite pour pouvoir avoir mon directement fini. Le truc, c'est que je vois rien, j'ai pas de rétro, c'est vraiment moche, hein, si tu veux. Franchement. Bah, le camion lui-même, je le trouve plutôt joli, hormis l'intérieur. En gros, l'extérieur est très joli, plus joli que celui que je vous ai présenté la semaine dernière. Le petit Scania P, si vous vous rappelez bien, il était archi moche. Ben, il était moche. Ben, pas archi, parce que c'est vrai que ça fait un peu trop de moche, mais en gros, il était très. Comment dire ? Très buggy. L'intérieur, il y avait des bugs, à l'extérieur, t'avais des bugs. Voilà, en gros, là, c'est vrai que l'intérieur est le plus buggé du jeu. Mais après, on va dire que tout le reste, ben, du camion, pas du jeu, l'intérieur est le plus buggé du camion. Mais, comment dire, c'est vrai que, après, si on tient compte aussi de l'extérieur, il rattrape un petit peu l'intérieur. Parce que c'est vrai que là, pardon, petit rototo qui... voilà, c'est vraiment dommage, hein. Parce qu'il était plutôt, en gros, la coque était assez jolie, hein, du Scania P, mais pas suffisamment pour rivaliser avec ceux de base, on va dire. Celui-là, d'aspect extérieur, il rivalise largement avec avec tous les autres, même il les surpasse, on va dire. Mais par contre, pas son confrère, on va dire, pas son confrère de what the fuck. Ah ouais, bon. Ouais, en gros, j'ai une heure pour les livrer alors qu'il faut aussi à 5 heures de route. What the fuck, bitch. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc, je pense que vendredi, donc demain, parce que je tourne ça jeudi, je vais tourner deux vidéos. Je vais placer et tourner et placer. Je sais pas comment je peux dire, ouais. Deux vidéos sur YouTube, une vidéo, on va dire, test, et une vidéo. Par contre, ça va être plus chez vous pour l'intérieur, on verra comment je vais me démerder. On va essayer de trouver d'autres camions, parce que c'est vrai que là j'ai fait beaucoup de tests de Scania. Avec le Scania P, le Scania T et le Scania 912H, ça fait un petit peu beaucoup de Scania. Donc je vais essayer d'en trouver un peu d'autres, des Volvo, des... Oh, mais en fait je crois que j'en avais trouvé un de Volvo, pas trop mal, il me semble. Donc on va essayer de trouver je vais essayer de trouver un Volvo qui soit plutôt classe et qui puisse me dire voilà, t'as trouvé, t'as changé un peu. Voilà, parce que c'est vrai que mettre toujours les mêmes, c'est un peu chiant. Donc voilà, on va essayer de d'évoluer un peu. Après, moi franchement, ce jeu déjà il est bien comme il est, on va dire. Oh, il est bien, je prends les en face direct. On va aller sur l'autoroute. On va voir ce que la bête a dans le ventre.
là il bug beaucoup et ça m'énerve. Donc voilà, n'hésitez pas du tout à me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ce Scania 112H est plutôt bien, non, c'est pas pour abîmer déjà que j'ai pas un gros camion. Et le truc c'est que je vois rien du tout à gauche, à droite, pas à gauche. Donc là on est à peu près à 20 ou 30 minutes déjà. Grand max, ça sera une heure. La vidéo durera, je sais pas après comment on va se démerder. Je pense qu'à peu près je ferai une heure, on verra ensuite. Certainement que je la ferai en deux parties. Donc voilà, hop, on va aller mettre les gaz. J'espère pouvoir dépasser à peu près les 90, on va dire, sur l'autoroute. Ça serait plutôt sympathique. Parce que c'est vrai que de rouler à 50 sur l'autoroute, ce sera un peu lourd. Parce que je sais que le camion que j'avais acheté tout à l'heure, avant, pour... en fait, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc comme ça, en gros, qu'il aille aussi vite. Mais c'est vrai qu'il avait assez vite, il avait une bonne patate. Bon, il avait pas beaucoup de... Bah, il en avait déjà pas mal pour un camion. Il avait 680 je crois. Donc c'est déjà pas mal, 680 chevaux pour un camion. Wow, qu'est-ce que tu me fais à me rentrer dedans toi là? Je suis sur la voie et lui il me fonce dedans. Heureusement j'ai pas pris de... Là j'ai pas perdu du tangent parce que... Voilà, de toute façon je m'en fous un peu parce que j'ai des sous. Mais voilà, je comprends pas pourquoi on me tombe dessus alors que je suis devant, je suis déjà en place et lui il me fonce dessus comme un couillon. Donc on va essayer de voir, là on monte pas vite du tout là. Oh, en tout cas c'est dit. J'espère. Ah bah non, on a que 9 vitesses. Donc c'est vrai que le désavantage de ce camion, c'est qu'il a... Ah non, on en a plus. On n'a pas beaucoup de... On peut... Il n'est pas personnalisable du tout. Après, peut-être qu'il y a un mode pour rendre un peu plus personnalisable, je sais pas. Mais en gros, on peut vraiment rien faire avec ce camion. On peut pas mettre un moteur plus puissant, on peut pas... on peut pas le customiser, en gros, mettre un... Mettre une barre de toit, mettre des lampes sur le toit, mettre un gyrophare, on peut rien faire. Comme vous avez vu tout à l'heure. C'est le truc qui est un peu dommage. Mais sinon après, de l'aspect extérieur, il est vraiment excellent. Et donc voilà. On arrive quand même à 70. Hein. Mais là on va devoir sortir. Oh chiottes. À la deuxième sortie en plus. Donc voilà, après j'espère vraiment vraiment sincèrement que vous plaît. S'il y a un souci on va dire de l'ordre de par exemple si il y a un truc qui vous plaît pas sur et si je pense que ça va être bon là, je crois. Ah shit, c'est pas une bonne. Je l'ai pas pris tout à l'heure mais je la prends maintenant. Génial. Donc voilà, si il y a un truc qui vous dérange dans ma façon de faire mes vidéos ou dans d'autres choses, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai envie d'apprendre à faire mieux que ce que je fais. C'est souvent le cas pour un peu tout le monde, on va dire. Mais bon, voilà. Donc aussi un défaut sur la map, je sais pas si c'est un défaut ou si c'est la vérité, mais ce que je sais c'est que elle comment dire,
Il pleut beaucoup, souvent. Là, je pense qu'avant la fin de la vidéo, il y a de grandes chances qu'il pleuve. Oh oui, il y a de très grandes chances qu'il pleuve avant la fin de la vidéo. Donc, ça me fait pas chier, c'est normal qu'il pleuve. Mais là, déjà, j'ai pas passé, j'ai dû passer 2 jours. Et j'ai déjà eu 2 ou 3 pluies qui ont duré assez longtemps. Donc voilà. Mais bon, après moi je m'en fous. Le but c'est que je puisse faire un spectacle comme il faut et que je ne reviens pas à essayer de trouver. Est-ce que là aussi il y a. Ah non, ouais, ça marche pas. Pas comprendre. Ah non, 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 c'est bien ça. En fait, on n'a pas de. On n'a pas de rétro droit du tout. En fait. On a 2 fois un rétro gauche. C'est énorme. Donc voilà. Après, bon, ça c'est un petit bug parmi tant d'autres. Peut-être que dans une prochaine version, ils vont réparer cette petite erreur. Après, niveau tableau de bord, c'est assez simpliste, hein, c'est un petit camion. Par contre, il y a certains petits défauts, on va dire, en termes de. De texture comme le sol du côté passager ou peut-être même le mien, je vais pas regarder, mais donc voilà, c'est un petit défaut mais qui fait tout ce qui va pas dans le camion. Après, dans l'aspect extérieur, je pense que c'est là qu'ils se sont mis à fond, mais en gros je pense que si on regarde vraiment l'aspect extérieur du camion, rien que ça, là il n'y a aucun défaut. Par contre, si on regarde l'aspect intérieur, par contre, là, on l'a dans le dada parce que. Avant de commencer faisable, franchement, même moi j'arrive pas à comprendre comment on fait. À part si un projecteur qui projette souvent du côté gauche à droite, mais sinon c'est pas possible d'avoir ce qu'on voit à gauche à droite. Donc, on va le faire. C'est un petit défaut. Donc voilà, après, bon, donc il y a de grandes chances qu'on soit un peu en retard, parce que je vais avoir certainement besoin de me reposer, et mon patron, en gros, il ne me pas me reposer, parce que dans l'autre, je dois être à 22h, déjà c'est une chose qui est impossible, mais je dois être à 22h au point d'arriver, on va dire. Donc, il y a de grandes chances que je sois. Non, d'après ce que j'ai compris, je vais être forcément en retard. Mais c'est vrai que d'après moi, cette carte change un peu de tout le reste, en gros. Tout ce qu'on connaît déjà dans Eurotruck 2. Ah, là, je suis à 92. 94.
C'est difficile de tourner. Oh putain, faut que je ressorte encore. Ouais, c'est trop bien. Comme un dératé. Mais juste pour éviter de tourner de trop et perdre trop de vitesse. Donc voilà, après donc sur la deuxième machine, voilà, il va y avoir beaucoup de vidéos, une ou deux par semaine de vidéos test. Ça dépend si je continue ou pas les Sims. Je vois que ça vous plaît beaucoup les Sims 4 sur ma chaîne. Je vais continuer le live sur les Sims 4. Par contre, si je vois que c'est un peu sans le 2, je m'arrêterai là, mais ça me fait mal. Je vais sur les Sims 4. Beaucoup de critiques, mais le regard et la précision. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à couper un pouce, même si c'est pas forcément c'est précis au gré d'autosport. En gros, on a des espèces de petites teintées là qui se déteignent quand on met des fonds. C'est un peu bizarre, mais bon. En tout cas, sur l'aspect extérieur, sur l'aspect physique, à l'extérieur, hein, sur la côte extérieure, on a en tout cas, je n'ai rien à reprocher. Je dis qu'il est même en termes de qualité visuelle, il est limite mieux que d'origine. Il y a des reflets et des trucs qui sont plus précis, on va dire, il y a plus de précision sur ce canon que sur les autres. Et puis c'est vrai que ça change un peu d'avoir un camion avec un bec plutôt qu'un camion tout plat. Je trouve que ça fait plus joli, ça change un peu, ça fait pas forcément plus joli. Et puis c'est vrai que ça fait un peu plus camion américain. Voilà, peut-être que aussi j'essaierai de mettre des Peterbilt, des trucs comme ça, un camion américain, on verra. Peut-être que je ferai une légère petite série, on va dire, à part de l'équipe de routier. Je vais faire une certaine de voir avec que des camions américains. En gros, pendant une période, que des camions américains, on verra ce que je peux faire à ce moment-là et ce que je pourrais faire après. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est les intentions que je voudrais. Après, là, on va faire une petite test là et de toute façon, on n'a pas le choix, on va être en retard, parce que normalement, c'est 22h. Donc, voilà. Après, c'est vrai que... Ah, non, il est plutôt sympathique aussi. Par contre, ce qui est vraiment moche, c'est... le tableau de bord est plutôt pas mal, il a son effet de lumière, il a pas mal de choses. Pour un vieux camion, on va dire que c'est acceptable. Mais pour...
il y a un truc qui est pas hauteur qui me chagrine un peu, c'est ce qu'on a vu en début dans le garage en gros, c'est l'intérieur, devant le garage, je sais plus exactement, c'est les tapis de sol avant. Ah, c'est pas mal, un peu. Et puis aussi les motifs du tableau de bord qui sont pas cassés, on va dire. Quand je veux dire ça, ça veut dire que c'est trop répétitif. Quand on regarde le tableau de bord, on a l'impression qu'en gros c'est un peu comme une tapisserie du papier peint. Voilà. Le papier peint, quand on colle le papier peint, on les colle les uns après les autres et on a vraiment l'impression d'avoir un truc qui se répète sans arrêt. C'est un peu le but du papier peint. Il se casse pas la tête à faire tout le monde un truc complètement différent pour que chez toi ça fasse un truc tous les 2 mètres différents. Ou sinon, faut mettre de toile et puis voilà. De papier peint ou de voilà, en gros c'est vrai que les motifs je trouve qu'ils sont un peu répétitifs, c'est pas cassé, t'as vraiment l'impression que pardon, je peux la voir je sèche là, t'as dû prendre une bouteille d'eau. J'ai l'impression que c'est trop répétitif, encore quand c'est une couleur lisse. On va dire que ça peut passer, mais là c'est pas une couleur lisse du tout. Ce que je veux dire par couleur lisse, comme dehors, le camion de l'extérieur, c'est une couleur lisse qui est hormis les 2-3 motifs qu'il y a dessus. Donc à l'intérieur, il n'y a pas ces motifs. À l'extérieur, il n'y a pas ces si ça aurait été lisse. Ouais, si ça aurait été lisse, ça aurait pu passer. Mais c'est pas lisse, c'est plus que je trouve que l'intérieur sur un Scania R-Port ou un Scania Streamline, il y a plus. En gros, on a moins l'aspect. Comment dire l'aspect. On voit qu'ils ont fait du collage les uns après l'autre. En gros, ils ont fait de la tapisserie sur le camion. Voilà. En gros, l'intérieur, hormis le tableau de bord, en gros, tout ce qui est compteur, tout ça, on va dire que ça passe un peu. Hormis les petits compteurs qu'on a sur le côté, c'est pas très net, mais ça passe. C'est voilà, c'est pas net, mais ça passe. Donc voilà, et c'est le truc vraiment un peu dommage. Bon, mon chauffeur est fatigué, mais moi je vais prendre ça. Donc voilà, après est-ce que c'est un petit défaut qui font corriger ou qui ont corrigé, parce que je sais pas si ça va faire un nouveau, mais je sais pas. Donc voilà, donc on va s'arrêter à la prochaine station service, je pense, parce que ce camion est pas très rapide, donc ce qui fait que et on va reprendre après, donc on va se retrouver après, ouais, on va peut-être la partager en deux vidéos. Ou sinon, je vais juste couper à 45 minutes à la prochaine station service. Je vais m'arrêter 5 secondes et après, je vais faire une sieste pour vous couper. Donc voilà, c'est et après, je referai une petite vidéo que je vais faire en même temps, mais que je passerai pas sur la même partie. Je serai sur une autre partie. Et d'ailleurs, en parlant du jeu, en parlant de Euro Truck Simulator 2,
Là, il y a deux jours, je ne sais plus exactement quand, j'ai eu un petit peu de surprise. Merde. J'ai été un petit peu surpris quand j'ai vu que Euro Truck 2 a fait une nouvelle mise à jour. En gros, on n'est plus sur la 1.12 là, mais sur la 1.13. Je vois pas la différence. Il y a peut-être une petite différence, je crois. Mais c'est tout ce qu'il y a et je comprends vraiment pas. Parce qu'en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est est-ce que quand tu ouvres Euro Truck, il marque que vous avez un truc d'étudiant qui vaut un gros questionnaire, mais je n'ai aucune. En gros, on ne demande pas, on ne dit pas, ouais, mais où est ton questionnaire? Alors, on me dit qu'il y a un questionnaire, qu'il y a un truc à répondre, que j'ai une version non avec pas de licence. Et pourquoi on dit ça? Je sais pas si par exemple vous aussi vous avez fait dans les commentaires pourquoi on dit ça, parce que je ne comprends pas pourquoi on me demande de répondre à un questionnaire mais on ne dit pas où il est ce putain de questionnaire. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça, je vais vous dire, parce que c'est vrai que c'est un petit peu stupide de ne pas répondre à un questionnaire juste parce que voilà, je passe au vert, toi. Juste parce qu'on sait pas où il est. Après, je vais essayer peut-être de voir sur leur site. Je sais pas. Mais j'ai pas vu ce que c'était la différence, en gros. J'ai pas vu la différence entre maintenant et avant. Franchement, je perds. Je vois pas du tout la différence. J'ai l'impression que. Non. Le jeu rame peut-être plus qu'avant. Un petit peu plus. Mais en gros, il n'y a rien de plus. Il bug, tout ce que je sais. Et c'est vraiment dommage. Il bug un peu plus. Que ce soit sur l'un, sur l'autre. En gros, sur toutes les parties que j'ai, il bug pas mal. Même si j'ai pas de mode dessus, même si j'ai une partie avec eux. Il n'y a pas de mode. Donc voilà. Donc là, on va aller une station service si j'ai besoin de l'autre. On s'en fiche un peu si je suis en retard, c'est pas grave. Le but c'est que je sois bien reposé et que je puisse reprendre cette. Et après, donc dans le prochain épisode test, on va dire, je vais vous présenter un mode que je trouve sympathique et pratique. Ouais, c'est sympathique et pratique. Parce qu'en gros, ce mode... Non, je vais pas vous dire. Je vous dirai dans la vidéo test qui aura aussi vendredi. En gros, ce sera un test d'un test. En gros, je vais tester pour voir si avec la musique, déjà le jeu arrive à tourner parce qu'il tourne pas forcément bien avec la musique, avec les radios, si Shirley va mettre une radio que j'aime bien, et en plus, de ne pas avoir de copyright. Je sais que si je mets les années 80, déjà pas tout le monde aime ça, donc mais en gros si je mets ça déjà il y a de grandes chances que je me chope des copyrights tout le long de ma vidéo, alors il y a de grandes chances que ce que je vais faire, je vais essayer de voir si les chansons dubstep qu'il y a sur la chaîne dubstep ou de je sais plus quoi sont aussi copyrightées ou pas, je ne sais pas, donc je vais faire une vidéo test qui durera 5 ou 10 minutes. Et à la fin, on verra si je peux faire des vidéos avec une radio qui, en gros, serait très bien parce que je pourrais changer de musique toutes les à chaque fois que je voudrais, en gros. Donc, ça serait très bien. Donc, on va s'arrêter là, même si on n'a pas dormi. Je sais pas. Attends, on va voir dans le truc.
Ah, et aussi, on a... J'ai oublié de lui dire ça, mais bon, c'est pas vraiment en rapport avec la partie qu'on est en train de faire, là. Euro Truck en multi est disponible maintenant en 5 points. Ouais, donc je vais pas couper. Je vais couper. Donc, on va s'arrêter là, tout de suite. Et on reprendra juste après. Pour vous, ce sera dans une semaine, mais pour moi, c'est tout de suite. Donc, à tout de suite pour moi et à dans une semaine pour vous. C'était MM Simulator. Ciao.